tribune de la presse et leur événement cette année 100% virtuel, c'est l'occasion de se poser des questions sur l'information que l'on reçoit, mais aussi sur la manière dont les grands sujets de société sont traités. Avec nous, Belinda Cannon, vous êtes écrivain. Vous réfléchissez beaucoup, même à titre personnel, la citoyenneté, à la politique, mais aussi au féminisme. On a beaucoup parlé, notamment pendant ce confinement, des violences faites aux femmes, de la position des femmes dans notre société. Est-ce que l'actualité récente reflète l'évolution de la position de la femme dans notre société ? Oh, elle ne cesse de le refléter, de la refléter en effet. Vous savez, la révolution des femmes, c'est quand même la grande révolution du XXe siècle. C'est la plus grande révolution qui soit arrivée et la plus pacifique, puisqu'elle n'a fait aucun mort. Et la position des femmes a extraordinairement évolué pendant au moins 60 ans, disons. Et maintenant, depuis le début du XXIe siècle, elle continue à évoluer, mais d'une façon très légèrement différente, puisque toutes les grandes lois qui ont permis d'accéder à l'égalité homme-femme ont été votées. La dernière, c'est la loi sur la parité en 2000. À partir de ce moment-là, toutes les lois ont été mises en accord avec l'idée de l'égalité. Est-ce que ça a suffi ? Mais bien sûr que non. La loi, bien entendu, est capitale, mais c'est le droit formel, si vous voulez. Ensuite, il faut passer à l'égalité réelle. Et ça, c'est un autre travail, parce que c'est un travail qui est sur les mœurs, les mentalités, les représentations. Et je crois que le XXIe siècle est voué, les femmes au XXIe siècle sont surtout vouées à travailler sur ces terrains-là, qui sont plus compliqués, parce qu'on mesure moins bien l'évolution, si vous voulez. C'est pour ça qu'il y a un petit désespoir, j'ai l'impression, féministe contemporain. Quand on a fait voter la loi sur la parité, avant il n'y avait pas de loi, le lendemain il y avait la loi. Donc on voit très bien les acquis. Quand on travaille sur les mentalités, les représentations, à quel moment on sait que ça change ? À quel moment on sort de la domination ? Vous voyez, c'est beaucoup plus difficile à calculer. Est-ce qu'il va falloir se battre ? Est-ce qu'il va falloir simplement s'affirmer ? Ou est-ce qu'il va falloir même peut-être juste attendre ? On sait aussi qu'on hérite quelque part d'une histoire. Aujourd'hui, par exemple, aux tribunes de la presse, il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui viennent en parole d'experts que de femmes, des hommes qui sont peut-être âgés. Est-ce qu'on hérite d'une situation passée et est-ce que dans 20 ans, les tribunes de la presse, il y aura naturellement beaucoup plus de femmes parce que les tranches d'âge auront évolué ? Ou bien est-ce qu'il faut être vigilant, et notamment en tant que média, est-ce qu'il faut qu'on soit très vigilant à qui on donne la parole et est-ce qu'il faut qu'on reste dans le combat ? C'est quoi la bonne approche ? Je pense qu'il ne faut surtout pas attendre. Le monde ne se transforme pas quand on attend, donc il faut être constamment active et constamment œuvrer pour aller vers cette égalité. Je pense qu'il faut être... on est sur deux positions, c'est-à-dire d'un point de vue personnel, j'appelle toujours les femmes à combattre, à y aller, à prendre des risques, à être audacieuses, autant que possible. Il faut vraiment y aller. Maintenant, on hérite, comme vous le dites, on hérite d'une situation qui fait que les femmes sont un peu plus timides, un peu moins audacieuses. Et ça, il va falloir le corriger. Il va falloir le corriger en élevant nos filles, mais il va falloir le corriger aussi en continuant à œuvrer dans la sphère publique pour arriver à cette égale représentation des hommes et des femmes. Je suis assez persuadée que, sauf régression toujours possible, sauf régression extraordinaire, on y va vers l'égalité et je parierais volontiers avec vous que dans 20 ans, on y sera à cette parité parce que les femmes sont en train de monter en puissance et il faut absolument continuer à soutenir ce mouvement de monter en puissance. Est-ce qu'il y a des inégalités de bagages qui permettent peut-être plus ou moins de se battre et de se mettre en avant quand on n'a pas forcément la même éducation ? Est-ce qu'on a toutes les mêmes facilités finalement à se mettre en avant et à prendre le destin en main? Pas du tout. L'erreur, c'est de croire qu'il y a une condition des femmes. Et c'est d'ailleurs souvent une erreur que font les féministes elles-mêmes en parlant des femmes comme si c'était un espèce de gros objet uniforme et homogène. Pas du tout. Il y a des conditions des femmes. Elles sont très diverses dans la société. Elles sont calquées notamment sur les considérations sociales. Une femme des quartiers difficiles n'a pas du tout la même vie qu'une femme privilégiée, mieux nantie, etc. Donc déjà, se souvenir qu'il y a une dimension socio-économique qui est très importante, il y a des conditions des femmes, et donc forcément,
la difficulté s'accroît avec, enfin en se multipliant avec la difficulté socio-économique. Donc on ne peut pas avoir un discours uniformisant sur la situation des femmes. Il y a des situations, des conditions des femmes. Quelle est la part du récit dans l'évolution des mentalités? Vous avez mis en scène dans vos ouvrages des personnages féminins. Certains sont même des ouvrages féministes, vous le dites vous-même. Est-ce qu'on a besoin de s'imprégner de ce type de récit pour justement comprendre tous les mécanismes et oser plus? Absolument. Dans le livre féministe que j'ai écrit, donc, qui est La Tentation de Pénélope, qui est déjà reparu 3 fois, parce que je l'ai réactualisé après MeToo, par exemple. Dans ce livre, j'explique bien que je veux travailler, qu'il faut travailler d'abord sur les représentations, c'est-à-dire sur la manière dont nous nous figurons les choses. On n'arrivera pas à l'égalité tant que les femmes seront secrètement persuadées qu'elles sont un peu moins intelligentes, un peu moins efficaces, un peu moins je ne sais quoi, ou qu'elles seraient vouées aux soins, à la maternité, à l'exclusion du reste, ou en domination sur le reste. Donc je crois que la façon dont nous nous racontons ce que nous sommes, c'est-à-dire nos représentations, est capitale. Moi, en tant qu'écrivain, en tout cas, c'est là-dessus que je travaille constamment, sur les représentations, la façon dont on se figure les choses. Et j'essaye de construire justement cet autre récit sur ce que c'est qu'une femme aujourd'hui, ce que sont les femmes aujourd'hui plutôt. Beau et vaste sujet, merci d'être venu le partager avec nous. À très vite dans ces tribunes de la presse.